Carpage TV. Bienvenue dans Capage Télévision, c'est moi, Madame Cynthia, DG de l'entreprise Capage Télévision. En tout cas, nos portes sont grandement ouvertes pour tous vos produits, on est là pour vous satisfaire. Et nos numéros de contact, c'est le plus 243 80 89 798. Nos portes de Capage Télévision, avec toute l'équipe de Capage Télévision, on est là pour vous satisfaire pour tous vos produits de beauté, produits cosmétiques, actualités musicales et pour la visibilité de vos produits. Nous, Capage Télévision, en association avec vous, on est là pour vous satisfaire. Et merci infiniment à vos abonnés, on est sur s'abonner massivement à la chaîne Nabisso Capage Télévision. Et ça facile au quotidien la télévision. Non, au moins la place, moi, comment abonner ou cliquer ou et ça rate déjà en rouge. So, cliquer ou et comme une être. Donc, c'est que vous abonnez, auquel ils sont la clochette, il y a notification, la biso, au fini ou là. Donc, nous sommes au Ezali, nouveauté à Capage Télévision, Yomoko ou Wano Zango. Voilà, c'est un plaisir pour la biso parce que vous avez matabozo, bah, examen. Bah, on y est sur la page Instagram, au Betika Capage TV. Instagram, je suis là, dans un anytime Instagram, et puis dans un très actif dans les réseaux sociaux, nous sommes. So, auquel la page nanga il y a Facebook et ça Cynthia Capage. Voilà, page il y a Facebook mais ça privé hein, mais ça comme ninga dans le monde. OK, c'est la page nanga officielle parce que dans la page officielle qu'on a pena à ma tata qu'on a place va comprendre pena que super fan en des côtés wana au Betika Capage TV au côté directement la page nanga officielle. Et merci là on est s'abonner massivement la page officielle nanga na linga bino énormément nous a vraiment la bolingo nous a porté bino à cœur. On est vraiment fier de vous, 52 000 abonnés en tout cas, bravo, et je vous remercie, abonnez-vous massivement et merci de votre soutien, de vos patience et tout. Capage Télévision ouvre ses portes pour tous nos clients, contactez Capage Télévision. Merci et continuez de vous abonner massivement sur Capage Télévision. Bye. Pour votre information, Jamal en fait Massaro a poursuivi dans le dossier à Camerité. Mais il était comme il a donc il y a qui le voit renseigner. Donc Azana na infraction na Moussou Fiza mis en charge naïe. Donc il y a qui le voit la témoin. Et ils ont moins malin pourquoi parce que ceux qui payent Daniel Azalagité, bah je suis bien dans la subsidiation. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Kimi a yébini? Donc Azali ils ont négé naïe Samba. Le parquet a instruit les dossiers, a adressé ce qu'on appelle la citation à prévenir au tribunal près de la cour d'appel de la Gombe, a retenu deux chefs d'accusation. Voilà. Dont les deux chefs d'accusation ne tiennent même pas. L'État n'a pas déboursé 48 millions pour le 3 000 maisons, c'est 2 millions. Et jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi le président Vital Kamerhe reste en détention. C'est ça qui nous étonne. Mais on dort. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolise progresse, recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolise Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Besoin d'agents professionnels, sérieux et honnêtes? Ne vous inquiétez plus, car tous nos agents sont formés et capables de vous offrir de services rapides, professionnels et de qualité. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa, dans la commune de la Gombe, référence Rond-Point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolise Progress, le travail à votre portée. Vous aimez les grandes marques, des vêtements haute couture, chaussures, sacs et autres accessoires haut de gamme, une seule adresse, Ifrata Mode. Chez nous, vous trouverez des produits de qualité au meilleur prix. Commandez dès maintenant partout dans le monde, la livraison est gratuite par la poste. Retrouvez-nous au 18 rue d'Anvers, Lyon, 69 007 France, référence Saxe Gambetta.
et frata mode dadi le Congo référence à mon qu'on a sax gambetta on ou bien quand la 0033 7538 65 63 na boutique Efrata, il y a de tout, habillement de tout, de haute qualité. Check, c'est pas pareil. Avec Efrata Mode, chez Dadi Lukombo, nous garantissons la sécurité de vos commandes. Analyse politique, le grand rendez-vous hein, de tous les abonnés de Capage Télévision. Nous sommes là une nouvelle fois pour parler hein, de la politique, les informations, les actualités politiques sur la République, dans la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce beau plateau des Capage Télévision Willy Leiba, un des membres de la Ligue des jeunes de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise de la communauté de la commune de Ngaba. Voilà. Oui, UNC Ngaba. En tout cas, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, avec lui, nous allons essayer de décortiquer, d'analyser les actualités politiques sur ces plateaux. D'abord, nous allons commencer par le dossier 100 jours. Le dossier 100 jours, voilà, et avec lui, on va essayer d'en parler. Vous avez suivi ces dossiers de près parce que vous êtes de l'UNC. Bandeko Bazola d'Abis Soubaibi, que vous avez moins à l'UNC, alors que votre président, le président du parti, a été, bon, pas encore incarcéré, mais interpellé, et comme étant prévenu depuis le 11 mai, Makambangwe Bandaki. Et quelle est votre option par rapport à tout cela? Votre président n'est plus là. Comment est la vie dans l'UNC? Je pense que l'UNC, c'est aujourd'hui un bien commun. Mm-hmm. Il y a le président ainsi que le secrétaire général, les secrétaires fédéraux et tous les membres. Le président n'est pas là, mais l'absence du président national ne doit pas arrêter le fonctionnement du parti. Voilà, et le secteur général qui conduit le parti. Vous voulez déjà dire que tout va mieux là-bas? Tout va bien, tout va bien, voilà. Tout va bien. Voilà, donc comprenez que tout va mieux, tout va mieux. Et même, si je peux aller directement, le cash, ça va mieux entre l'UNC et l'UDPS? Le cash va très bien, on entretient de bonnes relations. Voilà. Et on doit respecter nos écrits et chacun doit remplir ses prérogatives là où il se trouve. Donc le cash va bien, pour tes prouver même, le cash va très bien. Oui. Le président national a adressé une lettre portant le soutien de l'UNC derrière le vice-président Kaboun. Et on n'a même pas présenté un nouveau candidat au poste de vice-premier président de l'Assemblée nationale, qui est un poste qui revient à notre allié l'UDPS. Et vous allez soutenir Patricia Ntsea déjà? Ce n'est qu'un normal. Ce n'est qu'un normal. Le poste de vice-président. Voilà, comprenez. En fait. Comprenez que la relation est toujours très bonne entre l'UNC et l'UDPS. Alors, si 100 jours, Tosala qui déjà n'a pas phase, il y a instruction, le lobby déjà trop quota. La phase, il y a plaidoirie. Alors, tu as qui va témoin, tu as qui bien de Vital Kamere, Asita qui va convoi témoin, notamment l'ancien, ou soit le ministre honoraire, il y a développement rural, Justin Bitakura, ou Aleka Kipe, tu as qui Pierre Kangoudia, Wazaki, ministre, il y a budget, et il y a Moulang, ou finance, et Asala Kiwana. Alors, Ndeko Kamere, Asita qui va convoi Bango, Asita va convoi Bango, mais quand même, tu as une présence, il y a témoin, wana, c'est comme si Bayaki n'est pas pour clouer le VK. En fait, Kokloué, Nandimité, tout le monde a géré devant la barre et à l'Oba Vérité. Donc, l'Oba qui va vérité, Oyo, et Sengela qui va à l'Oba. Et puis voilà, moi je pense pas que va équipe au cloué. Mais quand je vois quand Justin Bitakuira Azoloba que non, il a participé à un moment où Bakotsaki dossier à 57 millions à Zalaki Wanate. C'est comme si VKO inclurie quand on a Makasito parce que tout le monde a qui ont mis sur Stolandaki. C'est simple en fait. VK agit dans ce qu'on appelle la continuité de l'État. Voilà. À Salela Kiyango. Le contrat de Samibo, les acquis contrat aux acquis déjà depuis. Depuis 2018, pour représenter à l'État, il a acquis le ministre honoraire Bitakuira, et il a signé un contrat. Voilà. Et tellement, il a acquis le programme d'urgence, il fallait qu'on récupère Yango pour qu'on continue Yango. Donc, je pense qu'il a acquis responsable de la signature. Toujours dans la phase, il y a instruction. Voilà. Tout le monde a acquis les sous présence. Il y a Ndeko, les conseillers principaux.
du président de la République, M. Marcelin Bilomba, ou Ayaki Lissoussou, pour démontrer un peu savoir. Et comme il y a le dossier, comme il y a le cours, il y a un maïl, il y a un téléphone, parce que tu es au ici, à l'obi, c'est un détournement intellectuel. Par là, il voulait dire quoi? Bon, détournement intellectuel, moi je trouve ça drôle. Le droit est des strictes interprétations. Voilà. On ne doit pas élargir la pensée en réqualifiant une infraction parce que le législateur a tout prévu. Voilà. C'est bien défini. Pour qu'il puisse avoir détournement, il faut tel fait, tel fait, tel fait, tel fait. Ce qui va faire, on a écouté Nina Mamou, les satires à comment quitter les infractions en athée. Donc, détournement intellectuel, ils ont raté. Ils ont détournement selon Bango. Voilà. Mais la preuve, en fait, la preuve, il faut que la personne qui acquise. Apporte le preuve, c'est pas l'acquisition. Mais il y avait quand même de preuves parce que Bissou Bétel sur la 57 millions, mais Marcelin Bilomba est veillé, il y a Congo Lelo partout. D'ailleurs, il y a le dossier dans les acquis, il y a 57 millions, mais quand même, il y a 66 millions et il avait de preuves. 66 millions, je pense que ces enquêtes étaient incomplètes. Pourquoi? Parce que c'était 66 millions, mais l'État a retranché le 16% de la TVA. Voilà. Déjà, je précise la raison pour laquelle est-ce qu'elle a acquis 57 millions. Donc, voilà. Dès qu'on a pour le commissariat, il y a un peu de temps. Donc, 16% d'acquis à TVA, 16% il y a TVA. Monsieur Jamal a reçu 57 millions. Et c'est ni Vital Kamerhe qui a payé, c'est la chaîne de dépenses qui a payé. Voilà, ça n'engage que Willy Leiba, Wazali, membre de la Ligue des jeunes, il y a UNC, parti cher, il y a Vital Kamerhe. Alors, nous allons continuer. Ndeko Yebisabiso Soumkeb. A peu avant, Ndeko Marcelin Leka, Tomonaki, Bongo, Daniel Massaro, Otebi Bongo, Shangalou Mekingi, Wazali Bongo Ndeko, Yavital Kamerhe. Mais Toyoka qui est, c'est comme si ils sont foutés de ce procès. Parce que quand on monte à Zoël, il y a Bazouzi. A ça, le gouvernement langage, je me dis, non, en fait, d'abord, un père de trois enfants, on va poser une question par rapport à Kongo Tsena Lopango. Bon, moi je pense, là c'est sa vie privée. Chacun est libre de donner peu importe le montant à la personne qu'il veut. Tu vois un peu. Donc, Nakou Kabela Moutou 100 dollars, Mazan de Konanga Temele qui n'a pas 10 dollars. C'est la liberté de la personne. Mais pourquoi on a Zoloba? Daniel a le droit, voilà. Il a coupé sa moto et a ligné. Là, c'est sa vie privée. Il a vu naïe. Donc, après, si Kombo a une identité complète, il a moto. Moi, je suis un homme, mais je suis un mafia. Et sa identité complète. Je suis un homme, en plus. Moi, je trouve ça, c'est un refus poli. Parce que Daniel a acheté. Ce n'est pas la parcelle que Daniel a acheté. Il a acheté Kombo à Soraya. Daniel a son bagu le pan ou naïe et pas à Jamal. A chaki Kombo naïe. Voilà. Jamal, je ne sais pas par quelle intention. A Luki, a Kabila et le pan. Donc, voilà. Il y a le refus. Il y a un refus poli. Oui, c'est Moutou Tchaka à Soraya, né à Tchaki. Mais à Kindaki naïe, Badaki n'a pas précision. Analysons un peu cette réponse de Daniel Massaro vis-à-vis à ma juge. Alobi, tu as posé ma question. Tu as évité sur quelle manière tu as posé s'échapper. Alobi, ne me posez pas de ce genre de questions parce que c'est comme si vous me posez la question. Vous étiez hier avec. J'étais hier avec ma femme. Heureusement, tu es un déco Massaro, puis tu as s'en foutre pour. Tu as minimisé un peu ma juge. C'est comme si ils se sont déjà coupables et tout. Voilà. Comment ils ont passé pour la misusu et pour la bateau basolan de la macambo na moi logique et macambo ils a quand même important parce que ils ont la zone d'ombre moko ils ont entre Jamal na Massaro na procès avec eux. Pour votre information, Jamal en fait Massaro a poursuivi na dossier camerité mais il était comme il y a qui le voit renseigner donc a infraction naïe musu suis a mis en charge naïe donc a qui le voit témoin. Et ça, moi, madame, pourquoi? Parce que ceux qui paient Daniel, ils ont quitté. Bah, je suis dans la subsidiaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Qui m'a aidé? Donc, Azali, ils ont n'ingéné à Kosamba. Chacun a libre à Kosamba dans la manière où il y a l'ingé en respectant ma principe, moi, ils ont normal. Quand c'est dans le dossier, tu as qui chasse Ningani Awa. Je mettrai le fait, je mettrai le fait, je mettrai le fait. Tu es bité de Kokamir, le bac en Okan, mais quand même, est sûr qu'il a qui n'a qu'une chasse à Mobimba. Pona, maman Amida. Pona, Ndeko Soraya. Mais. Na suka tumoni mama Amida liki ndeko soraya pa likaki sikoyo koyoka Amida toki ba montagne soana et aujourd'hui Amida asita ki kombo ya collaboratrice naye Ezali madame Mengi Marie-José voilà o lelo ba azaya ku kangama pona nini bakanga mutu azaka collaboratrice mais bakanga mutu ye moko ayi makambo to asimba ka ba montagne wana te
Bon, je pense que la manière dont il agira à Makambu, l'organe habilité à poursuivre les infractions, c'est le parquet. Voilà. Il a estimé mieux que la première personne à être arrêtée, que ce soit Mme Marie-Josée. En se présentant elle-même, oui. elle a été au courant d'un avis de recherche qui a été mis en son nom. Mmh. Et voilà, elle a jugé bon de se présenter. Et puis, elle est sous mandat d'arrêt provisoire. Bon, en fait, elle a été arrêtée, ou soit parce qu'elle est soupçonnée, il y a détournement des deniers publics qui est bien à cause de Makambango. Détournez-moi de l'énergie. Voilà, c'est un signe de bazar. Parce que, mon temps, on a déjà. Alors, juste tant que tu le dis que non, nous prenons l'état des droits. Nous sommes déjà au début de la procédure, il y a l'état des droits. Alors, on a ce que tu as dit, c'est tout un processus. Ça ne passe pas comme de la bateau magique. Voilà. Du jour au lendemain. C'est pas que au Kanga batou pour l'accès batou Kangi batou n'est pas état de droit, état de droit. État de droit, c'est un pays où tout le monde, où aucune personne n'est au-dessus de la loi. On respecte le principe, on respecte aussi le droit de l'homme, ouais. On respecte la liberté provisoire, qui n'est pas le cas dans le dossier de M. Vital Kamerhe. On respecte le principe normal de la vie. Donc, c'est pas que vous arrêtez des gens pour montrer aux gens que j'ai arrêté X ou Y, que voilà, nous sommes dans un état de droit. C'est pas le cas. Nous ne sommes même pas arrivés dans un état de droit. Bon, nous sommes pas arrivés, mais c'est comme on a dit, c'est une procédure. Bientôt là, Makambu Bandi déjà Mboula et Mboyami Baliami se tire au Komanango. Donc, il y a UNC, vous en avez pouvoir. Bon, on dit, vous avez état de droit en moté. Vous avez c'est plein en moté. Parce que vous avez Vital Kamerhe. Non, Vital Kamerhe, Azali Kola Loati. Donc, preuve année, Azali Kola Loati, puis Azali Influenté. Donc, Nagina le Belo Moana, Azali Kola Loati, Azali Influenté. Azali Influenté, il faut bonisa parce que, n'est-ce pas que vous avez tant de samba, tant de loba, parce que vous avez tant de parmi les concepteurs, il y a un projet. Mais pourquoi on a le Belo Influenté? D'abord, Bazo Boy a coupé ses libertés provisoires en donnant des raisons que voilà, ce Razalibanda il va influencer le procès. Je ne pense pas que Moutou a influent pour Robin Ayel aura invité tout un détail des cabinets. Après, en fait, je ne peux pas minimiser, mais je dis le procureur général ou l'avocat général qui n'a même pas un GP, après c'est hors de Bakangi. Ça prouve que la personne n'est pas influent et il n'est pas au décès de la loi. Donc voilà un peu. Voilà, UNC, Bandeko, Boza, Koutalara, président Nabino, Azea Kokangama. Alors, pour la sixième fois, je crois, Baboela, Ndeko, Vital Kamerhe, liberté provisoire, Naye, étant membre à UNC, Bozoa Kalikamba, Ndengin. Ben, ça fait mal parce que il y a deux éléments qui constituent quand est-ce qu'on peut donner quelqu'un la liberté provisoire. Premièrement, si sa fuite n'est pas à craindre, je pense pas, mais c'est Vital Kamerhe a une adresse connue et c'est pas quelqu'un qui peut disparaître dans la nature comme la peau de l'escampette. Et selon moi, voilà. Le dégrève qui a été mis à sa charge sont déjà tombés et le dossier a été vidé par la forme. Ok. Il lui a été reproché. Voilà, ça n'engage que vous n'êtes pas les juges non, quand même. Non, je dis selon moi en fait. Voilà. Je dis selon moi parce que ce sont mes paroles. Le déchet d'accusation qui a été mis à la charge de M. Vital Kamerhe a été déjà tombé. Voilà. Le premier, c'était il a détourné 48 millions destinés aux 3000 maisons. Voilà. Il y a une différence. Parce que dans le dossier 100 jours, il y a plusieurs dossiers. Il y a le 1500 maisons et le 3000 maisons. Dans la citation à prévenir, c'est-à-dire les documents que le parquet a adressés à la cour confirmant l'arrestation de tel monsieur qui est poursuivi pour tel chef d'accusation, détournement des données publiques de 48 millions de dollars destinés aux 3000 maisons, ce qui est une fausse information. Jusqu'aujourd'hui, l'État a déboursé pour les 48 millions, je précise bien, 2 300 quelques mille dollars. Là, ce sont le détail que. Le détail. Donnez, voilà. Deuxième chef d'accusation, il a détourné. Il paraît-il qu'il a détourné 10 millions de dollars. Oui. 10 millions de dollars destinés aux médicaments avec la société Trade Plus. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. C'est une fausse information encore. L'État a déboursé 5 millions, quelque chose comme ça, destiné. Parlant de ce dossier aussi des médicaments, je crois que
même quand on avait commencé ces procès, il y a des bandes de loi qui sont responsables, il y a import et export, il y a présidence. Mais tout le monde, nous avons entraîné dans Vital Kamerhe parce que lui nous parlait que de l'hiérarchie. L'hiérarchie. Mais pourquoi il y a des gens qui Vital Kamerhe qui ont passé à l'école? Parce que nous avons fondé mon compte. Pas de souci. Quand on entend parler de l'hiérarchie, l'hiérarchie ne se limite pas seulement à Vital Kamerhe, c'est un directeur des cabinets qui a aussi son hiérarchie. Allons-y avec cette logique. Hiérarchie. Il y a une finalité de l'hiérarchie qui est la loi. Voilà. C'est un peu ça. Dossier trade plus, l'État a déboursé que 5 millions de dollars. Ce qui a fait en sorte que Vital Kamerhe soit, le juge puisse, le parquet puisse agir à la précipitation, ce sont les propos, les différentes opinions des acclamaires publics. C'était au départ que Vital Kamerhe a détourné 15 millions, Vital Kamerhe s'est marié avec l'argent de l'État, Vital Kamerhe a fait ceci, Vital Kamerhe a détourné 400 millions, c'est ça ce qui se disait. Oui, en tout cas, c'est qui nous avait vraiment attiré. Alors que l'argent dans la totalité déboursé, 72 millions comme ça. Vous comprenez? Alors, le parquet a instruit les dossiers, a adressé ce qu'on appelle la citation à prévenir au tribunal près de la cour d'appel de la Gombe, a retenu deux chefs d'accusation. Voilà. Dont les deux chefs d'accusation ne tiennent même pas. L'État n'a pas déboursé 48 millions pour le 3 000 maisons, c'est 2 millions, ça tombe. L'État n'a pas déboursé 10 millions pour le médicament, ça tombe. Et jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi le président Vital Kamerhe reste en détention. C'est ça qui nous étonne. Mais on doit attendre la plaidoirie. Et voilà, s'il sera acquitté, ça sera votre bonheur, mais et le bonheur de la République aussi. S'il sera condamné, on le saura tous. Mais voilà. C'est ça le problème. Donc, pendant le temps où il est en train de comparaître là-bas, il est encore un présumé innocent. Il peut aussi mériter de la liberté provisoire comme tout autre provenu. Monsieur Mouima, comparé à un homme libre. Voilà, c'est ce qu'on doit dire. Vital Kamerhe ne jouit pas toujours de sa liberté provisoire, tant demandée pour la sixième fois. Et ça, Salim Lopassi, tu l'as dit, n'a occupé n'a pas de. Moi, j'étais étonné. Voilà. Pourquoi? Parce que dans un état de droit, un ministre de la justice ne peut pas donner des ordres en disant qu'il n'y aura pas la liberté provisoire qui sera octroyée pour le détenu de son jour. Donc par là, vous savez que l'état de droit, nous allons t'en où, hein? Nous sommes dans la processus vers l'état de droit, mais nous ne sommes pas encore dans l'état de droit. Voilà. Voilà un peu. Ok, toujours dans ces dossiers, parce que tu as comme un peu moins la souka, dossier 100 jours, voilà, tu as dit que plaidoirie est là. Et est-ce que Nathan a plaidoirie ou est-ce qu'il y aura encore de preuves? Parce que nous sommes dans le droit pénal. Le juge peut se saisir des infractions pendant la procédure. Voilà. Voilà. Est-ce que ça peut arriver aussi pendant cette phase, il y a plaidoirie? Oui, l'instruction d'abord est importante. Voilà. Dans le ministère public, selon moi, avait la peine de démontrer comment Vital Kamerhe, selon eux, a détourné de l'argent. Et l'absence de preuves matérielles, parce que lui-même le disait, pièce contre pièce. C'est sa politique, elle est là, pièce contre pièce. Pièce contre pièce, on a pièce contre pièce. On a droit pénal, pièce contre pièce, c'est dans la place. Et c'est dans la place. Parce que la responsabilité est prouvée, c'est à la charge de la personne qui poursuit le fait, en fait. On a accusé Vital Kamerhe des détournements, des deniers publics. Voilà, tel élément matériel. C'est pas, on doit interpréter de notre manière, c'est fait et X, Y, pareil. Ou bien Ekokanina, c'est pas ça. Tout est prévu par la loi, le législateur a bien défini le détournement, à moins qu'on se saisisse de certaines infractions pendant l'instruction, mais pendant la procédure, et mettre ça à la charge de Vital Kamerhe. En tout cas, en ce qui concerne les détournements des deniers publics, les dossiers étaient vidés déjà par la forme. Voilà, ça n'engage que Willy Leiba, voilà, Ndeko, tout ça, quand on a ma solo, est à l'UNC. Alors, les gens de Vital Kamerhe, tout ça qui est. C'est comme s'il protégeait le président de la République, parce qu'il disait que non, s'il faudra Azar Nakati à prison pour garder statut d'un homme d'État, il a les annotations du chef de l'État. Voilà. En fait, avoir les annotations du chef de l'État n'est pas une infraction, parce que c'est l'administration. Il agit. Ils reçoivent des instructions du chef de l'État. Mais quand même, si cela arrive auprès de juges, ça pourra peut-être
retourner la situation. En fait, il n'y a pas de choses à cacher. Il n'y a pas de choses à cacher. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas les anguilles sous roche. Ouais. Les choses sont claires. Les choses ne sont pas encore claires parce que ces annotations, là-bas, tout est bien noté et tout, voilà. Non, le chef de l'État n'est pas... on ne peut pas convoquer le chef de l'État, c'est essentiel. La seule institution à écouter le chef de l'État, c'est la Cour constitutionnelle et puis on doit suivre une procédure. Monsieur Vital Kamerhe est un fonctionnaire de l'État. Tout ce qui s'y passe, les différentes correspondances, les retours gauche, c'est de l'administration. Ce sont des principes de l'administration. J'ai écouté l'avocat de la partie civile qui demandait à Vital Kamerhe d'éprouver ce qu'il dit vrai. Ouais. Imagine qu'on a donné clé USB contenant le programme de 100 jours entre M. Vital Kamerhe et le chef. Quand on ne croit pas à M. Vital Kamerhe, on doit appeler qui? Mais en fait, ça sera un problème parce que c'est comme si on nous dit que le chef est aussi dans le coup. Le chef, en fait, on ne doit pas voir le problème de 100 jours comme un crime, en fait. L'objectif est que le policier et le militaire reçoivent leur maison. Il y a pas c'est pas un crime, mais c'était quand même un partage des gâteaux. L'argent n'a pas été détourné. Quand Jamal a reconnu d'avoir reçu 57 millions de dollars quittant le trésor public à Jamal, alors où est le détournement? Mais quand M. Justin Bitakira se sont écartés de ces projets et de tout cela et qu'on doit délocaliser, si je peux le dire, que le mot là, développement rural, comme maintenant on a urbanisme, mais au moins c'est le mot partage à gâteau, dossier à 100 jours. Non, Azaki est écarté parce que de prison Vital Kamerhe. Il a quand même dit ça, Justin Bitakira. C'est pour ça mon coussé, il y a un mot qui écarté. Non, ça c'était de la comédie, c'est pas assez. Il s'est trompé de cible. C'était un mauvais endroit de faire ce genre de jeu. Voilà. C'est à la barre qui peut écouter la vie de gens dans la vie de Monsieur Vital Kamerhe et en danger. On peut qui dire la vérité. Il n'a pas été écarté. Il y a certains problèmes qui étaient arrivés avant. Je pense vous êtes intellectuel comme toute personne. Voilà. Entre le gouvernement sortant et le gouvernement entrant, le député qui siégeait à l'Assemblée nationale n'était pas habilité à appeler le gouvernement pour rendre les comptes. Oui. Donc c'était le différent ministre assimilé les affaires courantes. Ah, c'est dans cette période-là que beaucoup de personnes immorales profitent pour toucher au pot de vin parce qu'ils savent que voilà, moi je pars à moi, voilà, je peux toucher n'importe quel montant. Et puis voilà, donc c'est comme ça, c'est ainsi que le chef a instruit à son directeur de cabinet, parce que si le chef de l'État n'est pas la seule personne à avoir un directeur de cabinet, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les différents ministres ont le directeur de cabinet. Un directeur de cabinet ne peut rien faire si le chef ne l'ordonne pas. C'est-à-dire qu'il a reçu l'instruction du chef instruisant de limiter les dépenses, et non interdire, limiter les dépenses aux dépenses nécessaires de paiement. Vous comprenez? Ouais, donc retenons, c'est là, le chef, donc le directeur de cabinet, faisait tout sous l'instruction du président de la République, c'est ça? Pour preuve, toutes ces correspondances commencent sur ordre du président de la République et puis le chef de l'État. Merci beaucoup, Willy Leiba, nous tendons vers la fin. Alors, il y a aussi un dossier très, très, très important. La République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Déjà là, les travaux de réhabilitation qui ont marché. Signalons déjà que la plaidoirie, ça sera demain, jeudi. Et voilà, nous allons tous être là pour suivre. Mais quand même, il y a un dossier très essentiel de la réhabilitation qui cause problème, le grand marché. Marché Zando, qu'on appelle communément. Problème à Kassi. C'est comme un coup de bras de fer entre le ministre Gilbert Kankonde et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentil. À mon avis, je crois que ce sont les conséquences de l'irresponsabilité. Et empêcher les gens de vendre suite au Covid-19, ce n'est que normal, mais on ne doit pas se limiter là-bas. On doit mesurer des conséquences parce qu'il y a plusieurs familles qui vivent de ces marchés-là. Il y a plusieurs jeunes garçons qui soutiennent leur famille, leurs enfants, à cause des petits pains, habits qui vendent là-bas. Alors. Élargir la durée du confinement concernant le grand marché, on doit tenir compte des conséquences économiques et l'État doit prendre ses responsabilités. Et non des copier si en France on dit confinement, à qui on dit confinement, si en France on dit on élargit, à qui on élargit. Mais hey, là-bas, ils sont en train de prendre les responsabilités en tant que l'État, de subvenir aux besoins, aux petits besoins de cette population-là, voilà. Et ce qui n'est pas le cas. Entre
Gentiline Bakangobila Oyo, Aloba qui était, Azana Posa, Tomona Zando Ombutati Kaka, Oizopila Minda Bipay Binso. Nan Deko Jibert, Kangodo Bibakata Misalawana, Obatu Sengeli, Bayako Teka, entre temps Misal et Silite. Nanazo Salamabi. Mabé Pesawabi. Bon, en fait. Bon, on m'y balé, bazan à tort. Parce qu'on ne doit pas se permettre, yako, au déconfiner, bah, tout boyer. Et sans miser, bah, conséquence, ni koya. En d'autres parties, on doit aussi, en estimant d'élargir la durée du confinement, yako, soit en charge, bah, famille, oyo, bah, vivra, ka, na, zandou, ana. Zandou, ko, réhabiliter, zan, en gros, problème, t'es. Mais pourquoi, ka, zandou? Moi, j'estime que, le, gros, d'aki, pé, conséquence, avant, peut-être, j'mi, gézaki, bah, tout n'y a, soit, l'ingé, au kendika, boy. Bah, vous avez apposé à Zandouana, bah, tenir au côté Moussous. Comme ça, il faut faire en sorte que, bah, tout Moussous, bah, qui est boy, bah, tout Moussous, bah, qui est boy. Et vous allez, plus mes responsabilités, Zan, avant, m'y balé, ou à l'obi, bah, fongo la Zandou, conséquence, Covid, bah, kai komata, ou à l'obi, bah, kanga Zandou, conséquence, bah, tu vas te faire l'inzala. Donc, bah, kangi, mais, bah, huit charges, y a bah, tout, oyo, Moussous, bah, ça, bah, vivaka pour Zandouana, ça sera important. Bah, tout, bah, ça, koufa, on a vu même de jeunes gens, ou bah, l'inzala, bah, bah, l'inzala, moussala, bah, zuba bal. Et bien, il y a des gens parce qu'ils réclament que non, tolembi. Ils veulent travailler. Ils veulent nourrir leur famille. Si vous toujours comprenez, la police, c'est si vous avez un cas, vous avez un cas, vous avez un cas, vous avez un cas, vous avez un cas. Ata yomoko to moni batu bazo tambola wana to mona bona bapusu wana makile za kotanga jusqu'à quand to ba kokena biso na ba zigzag trokene na banzela wana timu kolonini o ezo mona na poli ke no muto akoyi akufi makile za kotanga ndeko babengi na kombo ya Rossi Mukendi akufaka makile za kotanga balobi babeti masasi ya kautu na bi ndeko to kende wapi tezo ki nwepo na likambono nga ezo sala nga pasi pourquoi ezo sala nga pasi parce que bagazo tu zona misu voilà pour ma moine si la et bandila maka ils ont continué kaka pourquoi parce que vous êtes pas na coalition quand même oui toi la coalition mais na ibite muta kanga mina kuwa mama kila donc ils a bien été et puis tout ça en plein 21e siècle dans un événement qui se passe à Tanamulara en 2 minutes 3 secondes muta filmé à Tindi pour comprendre ce qui se passe ils a bien été ils a je pense notre police est, c'est une police professionnelle ils doivent prendre les responsabilités à tolérer et quand même le marche mais j'ai fait aussi appel à nos amis qui voilà, sortent dehors pour marcher comme marcher ni ba ko ba police di bangati voilà. C'est aussi un ima à qui a dit banga mo boye m'en foutre matin na mtema a obeta disa si sans ordre mon kondinaye mais ber ekole la ka mon kondinaye donc on peut marcher pacifiquement réclamant voilà déconfiner tout ça et non ya ko ba banga et police pays fois zo ba responsabilité naye ya ko tirete on peut autoriser ba gaz et panzi batou pour notre qui met ma unité en tout cas je condamne fermement et je profite de cette belle occasion adresser mes sincères condoléances aux différentes personnes qui sont tombées hier et ainsi qu'à leur famille oui en tout cas j'espère que comi parce que Capage Télévision talara tous au landama un peu de partout voilà déco moi question mon copain Moussousou par rapport à la coalition toujours est-ce que vraiment cette coalition ira jusqu'en 2023 pourquoi pas. Ça a été bien défini, ça a été bien décrit par. Ça a été bien décrit, mais quand même, on voit, il y a des pierres d'achoppement, il y a les uns qui mettent des pierres d'achoppement pour les autres. Tout le monde a demandé, ok, mais vous pouvez dans le contraire. Quand même, entre Gilbert Kankonde, Ndeko Gentiline Ngobila Bazali, on est sur la coalition, il y a des gens qui ont dit, mais tant que je suis dans la coalition, je suis dans la coalition. C'est pas un homme d'État qu'on agit comme ça. Moi, je pense l'unité de la politique congolaise qui est Vital Kamerhe. Kamerhe, c'est quelqu'un, même s'il y a des conflits de chamaillement tout ça c'est quelqu'un qui sait comment faire sortir des camps au bas soit na issue à solution mongoboué coalition FCC na cash na malgré INC Zali nano mais na itao caméra zango ba ko zoba difficulté belé parce que ba zanga mutu oyo a ko assurer médiation entre Batumi balé ba chama kelele donc voilà un peu. De que le pacificateur des fois zonga na mais il est le pacificateur c'est quelqu'un qui sait comment donner des issues de solutions entre Batuba na kana ni il sait comment négocier donc vous comprenez un peu voilà je pense que avec à la ligne où vont les choses
On attend la décision de la justice, mais à mon avis, je crois que la coalition FCC-CACH va continuer jusqu'en 2023 parce qu'en tant que des humains, on doit savoir comment respecter nos engagements et c'est important, c'est ça qui fait des hommes. Y aura-t-il très bonne relation s'il s'avère que Vital Kamerhe fasse la prison? Bon, je ne peux pas parler de la prison parce que le dossier est vide. Je ne peux pas estimer, je ne suis pas Dieu pour penser à l'avenir, mais au regard de tout ce qui se passe, les différents rounds, si je peux dire, Vital Kamerhe est innocent et le dossier est vide. Voilà. Voilà. Au moment opportun, c'est à l'hiérarchie de voir comment ils vont nous diriger, ils vont tracer les lignes de conduite pour le parti. En tout cas, en ces moments, cette responsabilité-là n'est pas à mon niveau. Voilà, merci Deko Willy Leiba, mais quand même, nous allons finir avec ce dossier Covid-19 en République démocratique du Congo. Croyez-vous en cela? Oui. Je crois, pourquoi? Parce que si le Covid a touché un pays comme les États-Unis, il y a quand même plus forte raison que le Congo peut être épargné. C'est vrai, la maladie existe, mais la politique de la gestion de la riposte est mal gérée. Voilà, voilà, on sent aussi qu'il y a un problème grave de la communication par rapport à cette équipe de riposte. La communication, oui, ainsi que la conscience aussi des différents citoyens. Ah, donc vous interpellerez directement les citoyens. Voilà. Voici, faites le respect de gestes de barrière. Donc, Oulati Maskenayo, au salé de distanciation sociale, il y a un mètre. Et puis voilà un peu Koskola Maboko, Nabali Pibi, Katanandaku, avant les locaux, ils allaient important parce que c'est protégé et puis protéger la famille. Donc voilà un peu. Voilà, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Widely Leiba, membre de la Ligue des jeunes de l'UNC Ngaba. Et voilà, Kapash Télévision sur cette émission Analyse politique. Nous sommes toujours là pour parler, pour vous donner les informations, les actualités politiques qui font le tour en République démocratique du Congo. Voilà, un mot par rapport d'abord à l'émission Deko Willy et Leiba, et quelques salutations aussi à toutes ces personnes qui vous ont suivi d'abord. Je tiens à vous remercier, voilà. Max, je tiens à vous remercier ainsi que Madame Kapash. C'est ma première fois de passer ici. Et je sais que j'étais de flair, j'ai vu l'endroit, j'ai visité. Voilà, donc c'est un peu celle qui a amené la réforme. Donc, c'est très bien. Madame Sinza Kapash a amené la réforme dans le monde de chaîne de YouTube. C'est très bien, c'est très bien. C'est appréciable. Mm-hmm. L'endroit, elle est très propre. Et je sais que j'étais de flair. Bonne chance qu'elle puisse continuer dans ces voies-là. Et ça sera important. On baissera pas les bras pour porter notre soutien à elle. Ouais. Donc, je tiens à la remercier beaucoup. Ainsi qu'à toutes les personnes qui me connaissent. Voilà, donc vous n'avez pas des salutations particulières? Non, j'ai pas de salutations particulières. Il y a toute personne qui me connaît. Voilà, je vous remercie pour votre soutien, vos conseils, parce que c'est ça qui fait en sorte que je puisse marcher dans la voie, dans les principes normaux de la vie. Et puis voilà, voilà un peu. Ok, merci. Moi, je vais aussi remercier tous les abonnés de Kapash Télévision pour cette sympathique attention que vous nous avez accordée en ces lieux et en ces nets mêmes moments. Et ce n'est pas la dernière fois. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Willy Leiba, vous passerez à chaque fois que vous serez en mesure, vous serez argumenté par rapport aux actualités. Oui. Et nous sommes là, le plateau de Kapash Télévision est là pour vous, analystes politiques. Et voilà, je dis merci à toute l'équipe technique qui a battu ces travaux très titanesques pour réaliser cette émission. Je vois Axel, pourquoi pas, il y a Joe Mystique. Et je n'ai pas oublié la numéro 1 de cette chaîne, la DG. Il s'agit donc de Madame Cynthia Kapash. N'oubliez pas, faites vos remarques, vos suggestions. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Pourquoi pas aussi aux partenaires. Nous avons nos portes pour vous et venez tellement nombreux, nous serons là pour vous servir. Alors retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro d'analyse politique. Bye. Kapash TV,